En plus, j'ai directement quête en fait. Hier, j'ai pas trop joué, j'ai surtout regardé les guides qu'il y a dans le jeu. Pour Camille, pour Manon, pour tout ça. Ouais, ça m'a fait penser à Mortal Kombat 11. T'as un système comme ça, je sais pas si t'as joué au jeu. Et c'était super bien expliqué aussi. Pas encore. Le Zangief, le Z. Oh les dégâts! Ouf! Oh, j'étais pas prêt! Oh, il fait mal! Je peux. Comment? Backdash? Ah, sautant! Ok. Ah, c'est pas safe. Dès que je suis dans le coin en pressing, je sais pas quoi faire. C'est déjà très bien. C'est, comme je te disais, c'est pas des sur les persos en eux-mêmes, c'est surtout pour la base du jeu. Ah oui. Parce que même je te voyais sur la bêta craquée, tu jouais Ryu alors je sais pas du coup toi t'es main et pourtant tu cassais des bouches. Donc dis. Ouais lui. Ouais, je peux choisir entre low et overhead, mais il y a un trou dedans. Ok. Les footsies, c'est ça? Oui, MK, tu m'as dit, pardon. C'est entier ça? La tornade? Ouais. Ouais, ouais, ça touche bientôt, c'est. Lui fait l'hélicoptère. Ah ouais, totalement. J'essaie d'éviter de le faire en premier. Je fais ça surtout pour contrer la Dragon Box. Ou vraiment si le mec est dans le coin, là si je peux mettre un truc. Ah
Ouais, t'es le premier Zangief de toute façon, donc je pense pas que j'en coupe. En vrai, Zangief en moderne, il a l'air de faire peur le personnage. Ah, ouais, quand tu rates ta choix, je peux te punir derrière. Ah, je crois que c'est d'être comme Manon. C'est que Manon, quand tu rates la chauffe, c'est violent. T'as un boule par rapport. Bon, bah là, je suis mort. Ouais, en finish comme ça. Oh, mais les engueufs avec ses chauffes, c'est des dégâts monstrueux. Bah, c'est un chopper, ouais. C'est vrai que sur le coup, je pense que Manon est plus dangereux que Zangief, vu que Manon peut faire des combos. Alors que Zangief, si tu lui enlèves les chops, il a plus rien. Surtout qu'avec son système de médailles, c'est violent. Là j'ai vu le contre. Là j'ai vu le. Ah j'ai raté. Je suis trop deck. Le combo je l'ai mais l'exécution je l'ai pas. C'est vrai que le spacing je l'ai pas vu, je l'ai pas du tout en jeu. Ça c'est une notion que j'ai absolument pas. Ah, il veut pas me le faire. Il fait trop tard. Zangief wins. Round 1. Ah, c'est ça. Voilà. Oh les dégâts. Ah, faut pas se... Ah oui, c'est... Ah oui. Oui, totalement. Parce que ce perso, il est tellement violent aussi. Ah, je peux la porter. Ah, oh, j'ai réussi à feinter. Oh, ça me choque plus. Sur le DBZ, t'avais le même truc. J'ai voulu faire la SP3 mais j'ai pas réussi. Ah, tu vois, je m'attendais à ce que Zangief soit plus dangereux sur le 6 vu que t'as le drive rush machin. Yeah.
Ah moi je joue principalement Shoto, c'est pour ça que j'ai pris Camille, Jury et Camille. Bah, je te reconvertis en main Manon. En soi c'est une chopeuse. Ce qui n'est pas le cas avec Manon. Non, Manon, tu sais, si elle fait sa chauve spé, tu la prends si tu chopes. Il me semble qu'elle a l'avantage de sur ça. Moi je. Ouais, je crois que selon certaines chocs, tu pourrais au start-up. Mais je crois que selon. En fait, t'as des chopes où tu. Enfin, des chopes spé que tu peux choper et d'autres non. C'est ce que disaient la plupart des streamers. Donc là, il y a tout le monde qui joue au jeu. Donc forcément, je vais essayer de prendre l'avis de tout le monde. Ah, parce que là, il y a vraiment tout le monde qui joue au jeu. T'as Mr. Kimson, t'as tous les pros du 5 qui étaient partis, qui sont revenus. T'as Sonic Fox, t'as Guichi, t'as Taiko, enfin, toute la bande. Oh, ça touche une! Ça a touché la Xbox du pied, quoi. Ah, tu sais, c'est en me trollant que tu as souvent réussi à les trucs. C'est plus que je connais rien. Oh. Ça aurait été mort. Certainement que je reste enfoncé dans le sol. Enfoncé dans le sol après la super. Dans le sac. C'était trop marrant ça. T'es safe après ça, dans la garde? C'est le gros point que t'as fait. Ouais celui-là. Si je touche dans la garde, t'es... Ok, ouais, c'est un peu comme Luc quand il charge son point. Après... C'est vrai que j'utilise pas assez dans ce sens là. Aïe. Ça par contre il faut surtout pas que je le fasse. Ça fait mal ça. Ah dommage. J'ai oublié qu'il est. Non c'est juste qu'il est pas safe quand il y a avec les sacs. Il est pas invincible au startup. Non. Pourtant c'est une SP2 hein. Les dégâts. Ouais c'est pour ça, ça fait très très mal. T'as même pas besoin de consommer de super. Tu sais que dans le 5 déjà il avait des recovery dégueulasses sur la Dokken.
Ah dommage. Je pensais pas que t'allais sauter. Aïe. Ah petit chat. Ah du bon côté. Ah mais... ok. Ouais, tu veux plus, je crois. Avant, tu pouvais voler la place du coin, mais tu veux plus, je crois, dans 6. Ah, c'est armure ça. Bon, c'est déjà pas mal. Non, j'y pense contre un mec, contre JP ou Messi, tu fais rien avec Zangief. Il m'a rendu fou. Moi aussi, j'ai croisé, il m'a rendu fou. Destruction. Ah, j'ai fait le mauvais choix. Okay. Ah, j'ai quand même pu faire des gros dégâts. Ah, vu que j'avais fait la parade juste avant, je pensais que c'était pris en compte. Ah ouais. Divisé par deux. Hein. Surtout que le Perfect Parry, c'est pas un truc que je peux faire à la volée. C'est très cool. Je trouve que t'es pas bien récompensé. Oui, c'est surtout. Ouais, c'est pour ça. C'est un mal pour un bien, on va dire. Ah, j'ai raté mon Z. Oh, oh les... Ah ouais, ça fait. T'inquiète pas, j'ai senti le fond. Il faut oublier que c'était un kiné, Zangief. Là, ça me surprend chaque fois que je m'attends à ce qu'il y ait des... Ah, tu m'étonnes, sauf que tu vois pas venir le truc. Oui.